Alors aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo que je ne fais pas d'habitude, mais j'avais envie de vous présenter un nouveau produit que je viens de recevoir et qui va sortir en France très prochainement. Et je voulais qu'on le teste en direct ensemble, histoire de voir si le produit tient ses promesses. Sans plus attendre, je vous le présente. C'est le mascara Unique Moodstruck 3D Fiber Lashes Plus. Voilà. Donc, c'est un mascara qui a fait parler de lui dans le monde entier. La marque Unique sort en France en février 2016. Et du coup, le produit va être mis en vente en France qu'à partir de ce moment-là. C'est un produit que j'avais envie d'essayer depuis très 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 longtemps, mais je voulais être sûre de ne pas l'acheter n'importe où, puisque il y a énormément de contrefaçons de ce produit et d'autres produits de la même marque. Et donc j'ai été contactée il y a quelques temps par une ambassadrice de la marque qui m'a proposé de l'être aussi pour la France. Donc du coup, je vous propose de découvrir avec moi ce mascara qui fait tant parler de lui. Donc, je viens d'ouvrir la boîte. Le mascara est rangé dans une petite pochette en tissu. On a le détail de la manière de l'utiliser. Donc je vous montre, il y a deux petits, petites fioles, on va dire. Donc il y a le Transplanting Gel qui est juste là. Voilà. Et l'autre, ce sont les fibres. Voilà. Donc si j'ai bien compris, Transplanting Gel, direct après fibre et direct après Transplanting Gel. Voilà, trois étapes et on nous promet des cils de malade. On va vérifier tout de suite ces dires en direct parce que je vais le tester donc devant vous. C'est parti. Je commence par mettre le Transplanting Gel. Je vais ouvrir les deux en même temps histoire de faire vite fait. Alors, je me rapproche. Voilà. Je vais faire un seul œil pour commencer, pour qu'on voit la différence. Donc, le Transplanting Gel, ça a l'air pas. Il parle de transparent, mais pour moi, c'est noir. J'ai l'impression de mettre des peluches sur mes yeux, de la peluche, vous savez comme quand les vêtements s'abîment, bah, on a l'impression que c'est ça qu'on met. Ça doit sûrement. Alors, je mets la troisième couche, c'est-à-dire la deuxième couche de Transplanting Gel. J'en ai mis partout. Alors, après, je nettoierai. Hein. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que les fibres, ça doit donner une impression d'avoir plus de cils, je pense. Parce qu'on dirait vraiment des petites peluches, comme des petits poils en plus, quoi. C'est pour densifier les cils. En tout cas, c'est joli. Et c'est la première fois que je l'utilise, donc j'ai un petit peu de mal. Je
C'est un truc de malade. Je sais pas si vous voyez, on dirait que j'ai mis des fossiles en fait. C'est un truc de malade. Alors, je rapproche la caméra pour vous montrer. Donc, voilà. Bon, c'est pas nettoyé, mais vous voyez les deux yeux. Je vais pas regarder la caméra parce que sinon on va croire que ça va donner l'impression que je louche. Alors là c'est l'œil fait. C'est un truc de fou. Et là c'est rien. Voilà. C'est un truc de fou. Parfait. Et j'ai mis qu'une seule couche. Et ils nous disent dans la boîte de refaire la même chose jusqu'à temps avoir le résultat voulu. Alors moi je suis désolée mais là ça me suffit amplement. Je vais juste avec un petit coupillon. Alors. Rien de spécial. C'est vraiment les fibres qui donnent tout quoi. Là je mets les fibres directes comme ils disent. Évidemment, si on nous dit de mettre les fibres directement après, je pense que c'est parce que si on met les fibres sur du mascara sec, ça risque pas de coller. Donc là, troisième partie. Je crois que je me suis mis un petit peu de fibre dans l'œil. Du coup, il y a 3 tonnes de produits qui arrivent sur la brosse. Alors là, j'ai pas utilisé de recourbe-cils ni rien du tout. Hein. On dirait des faux cils le truc. Le même effet sur les cils du bas, donc du coup je vais mettre du mascara normal sur les cils du bas. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous vous rendez compte, parce que moi je connais mes yeux, donc je sais ce que d'habitude le mascara que je mets, que ce soit celui-là ou un autre, je sais ce que ça donne comme résultat, et là c'est dingue. Cils vont toucher mes sourcils quoi. On est à deux doigts là. On est à deux doigts. Même pas. J'exagère quand je dis à deux doigts parce que je sais pas si vous voyez, mais là on n'est pas loin quoi. On n'est pas loin. On n'est pas loin.
Donc voilà, je vais aller nettoyer ça et je vous montre le résultat final. À tout de suite. Donc, je vous montre le résultat final, qui est pour ma part un truc de fou. Donc voilà. J'adore. J'adore de fou. Alors ça fait des cils de choc. C'est un mascara de malade. Je savais que c'était un truc assez bien quand même parce que tout le monde en parle, mais là, à ce point-là, je m'attendais pas à autant de résultats. Donc, pour l'instant, je suis super contente à première vue. Je reviens à la fin de ma journée de travail et on regardera ensemble comment le produit a évolué. À tout à l'heure. On va faire le point sur cette journée d'essai, cette journée de crash test du mascara 3D Lashes Plus de la marque Yonic. Donc, je l'ai porté toute la journée. Je vous ai fait la vidéo ce matin vers 6h30, 7h. Là, il est 18h30. Je viens de rentrer du boulot. Donc, au niveau de. Comment on appelle ça? Du rendu. Le rendu, ce matin, je vous ai dit, c'est un grand waouh au moment où je l'ai porté. Et ça a été un grand waouh toute la journée. Le produit est resté tel quel. Je ne sais pas si vous voyez encore, mais le résultat est toujours là. Donc, j'ai fait aucune retouche. Je ne l'ai même pas pris avec moi. Il est resté à la maison. Parfait. Surtout qu'aujourd'hui, c'était une journée de pluie. Et que je suis sortie assez souvent dehors. Sans parapluie, sans rien. Donc franchement, je dis niveau rendu, c'est parfait. Parfait. Pour moi, j'ai jamais vu un mascara qui me faisait un rendu aussi, aussi phénoménal. Niveau phénoménal, j'ai envie de vous dire encore plus. En général, vous savez, on essaye des produits et on se dit, waouh, ouais, truc de fou. Sauf qu'en fait, quand on sort dans la rue, personne ne le remarque sauf nous. Sauf que là, c'était différent. Je suis partie au travail et mes collègues, beaucoup de mes collègues, surtout mes collègues femmes, mais j'ai aussi une ou deux remarques de collègues hommes qui ont vu une différence sur mes cils et qui ont vu une différence donc au niveau de mes yeux. J'ai plusieurs collègues qui m'ont demandé quel mascara j'avais utilisé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment que le rendu se voit. Je suis fan du rendu, mais par contre, j'ai quand même une réserve à émettre. Alors, je vous explique. En fait, le produit, c'est deux produits. Donc, il y a les fibres et il y a le transplanting gel. Ces produits-là, en fait, il y a plusieurs couches à mettre et je ne sais pas si c'est moi ou si c'est. Je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est assez lourd à porter et j'avais l'impression d'avoir des faux cils. Toute la journée aux yeux. C'est-à-dire que ça m'a fait exactement la même impression sur les yeux que les rares fois dans ma vie où j'ai porté des faux cils. Vous savez, cette impression d'avoir les paupières un peu plus lourdes que d'habitude. Cette impression, je l'ai eue toute la journée et je savais que je n'avais pas un mascara normal dans les yeux. Je l'ai senti. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte au moment où on le pose. Ce matin, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est au bout de 4-5 heures, vers 11h midi, que j'ai commencé à m'en rendre compte. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez gênant. Peut-être que je vais m'habituer, mais pour une première et n'ayant pas l'habitude de porter des faux cils, je trouve ça un petit peu gênant. Si vous avez l'habitude de porter des faux cils, allez-y, foncez dans le tas. Si par contre, vous n'avez pas l'habitude de porter des faux cils et que du coup, cette sensation de lourdeur un petit peu vous dérange, je pense que ce mascara est à utiliser non pas quotidiennement dans la vie de tous les jours pour une journée complète, mais plutôt juste pour une soirée. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Je pourrais pas le porter en journée comme je l'ai fait aujourd'hui parce que vraiment ça me dérange cet effet de poids
sur mes yeux me dérange un petit peu. Donc, je vais vite terminer cette vidéo et je vais aller me démaquiller. Mais par contre, pour quelques heures, 2-3 heures, pour une soirée, je trouve que c'est parfait. Et j'ai envie de vous dire, c'est simple, ça serait plus sympa pour moi de le porter en soirée, dans le sens où si je mets ça tous les jours, le jour où j'en ai plus, ou alors le jour où je décide de mettre un autre mascara, je vais avoir l'air bizarre. C'est la seule réserve que j'ai. Et comme je vous ai dit, franchement, si vous supportez bien les faux cils, si vous supportez bien cette sensation, allez-y, foncez. Franchement, c'est un produit de malade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Et il n'y a pas de souci, j'en referai d'autres avec grand plaisir. Si vous avez déjà testé ce mascara, dites-nous ce que vous en avez pensé, qu'on partage un petit peu cette expérience. Et puis, je tiens à vous dire aussi que donc à partir de début février, je deviens ambassadrice de la marque Unique, et que du coup, si ce produit vous intéresse, vous pouvez passer par moi pour vous le procurer, celui-là ou d'autres de cette marque-là. C'est-à-dire que la marque Unique ne se vendra pas en grande surface, ni en parfumerie, ni dans une boutique Unique, ça n'existera pas. À bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous.